méthode pour faire un stop motion et être sûr d'avoir un 20 sur 20. Avoir l'idée, c'est la base. Vous n'avez pas de film sans idée. Il ne suffit pas d'inventer un super-héros qui part dans l'espace, qui intercepte une fusée. Non, non, non. Il faut une idée simple, mais efficace. Comme un gendarme demande à un mec qu'est-ce qu'il fait là, et pouf, le mec il disparaît. Excusez-moi, je... Après avoir eu l'idée, pour ne pas la perdre, il faut la noter. Simple, vous ne vous embêtez pas, vous prenez un brouillon et vous l'écrivez. Juste ce que vous avez en tête, rien de plus, car cela est l'étape 3. Étape 3, approfondir et améliorer l'idée. Félicitations, vous venez d'écrire votre histoire, enfin plutôt votre idée. Mais avant d'écrire tout votre scénario, il faut se poser les bonnes questions. Et surtout bien réfléchir au support de votre film, car oui, on peut trouver beaucoup de supports très différents les uns que les autres dans le stop motion. On peut faire du dessin animé, de la pâte à modeler ou de la pâte fimo, des Lego, etc. etc. Étape 4, le scénario. Vous avez trouvé l'idée, le style de stop motion, la difficulté du tournage, et il vous reste plus qu'à trouver le scénario. Je reprends l'idée de tout à l'heure. Mon gendarme rencontre une personne qui disparaît. On est bien d'accord, si vous rencontrez une personne et qui disparaît devant vos yeux, vous allez être étonné. Mais il est passé où? Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'aide? Voilà, c'est déjà plus crédible qu'un film muet. Désormais, il ne vous reste plus qu'à inventer la suite de votre histoire jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Étape 5, le matériel. Ah bah c'est encore moi qui parle. L'appareil photo sera votre outil de base pour créer les photos de votre fabuleux film. Pour vous, nous vous conseillons une tablette de plutôt bonne qualité comme une iPad. Ça fera absolument bien l'affaire. Et peut-être aussi des décors en papier ou en carton. Faites le plus simple possible niveau matériel pour vous concentrer sur le plus amusant, l'animation. L'étape 6, mise en pratique. Maintenant, c'est le moment de vous appliquer le plus possible. Le plus important, c'est l'organisation. Il faut savoir quand et comment on tourne les scènes. Quand tout est prêt, vous prenez votre histoire et vous la relisez pour être sûr. Puis, vous placez vos personnages et votre décor. Et oui, le décor est très très important. Imaginez un film sans fond d'écran, ça donne très très mal et ce n'est plus du stop motion. Maintenant, c'est le tournage. Enfin, la préparation. Vous devez avoir un plateau stable et que votre caméra, votre tablette ou votre téléphone soit stable. Puis vous placez votre décor. Plus il sera fignolé, plus il paraîtra réel. Et ensuite, les personnages. Si c'est en papier, c'est comme ça. Un bonhomme en pâte à modeler, c'est comme ça. lumière, placez votre décor près d'une lampe pour la luminosité. On y est. Maintenant, vous allez tourner votre histoire. Une fois que tout est vraiment prêt, vous allez placer votre caméra. Bon, vu comme ça donne mal. Mais une fois que vous avez recadré et que vous zoomez, ça donne beaucoup mieux. Alors, vous prenez une photo. Vous bougez le bras de votre personnage. Vous prenez une photo. Vous le faites un peu avancer. Vous prenez une photo. Vous bougez encore un peu le bras. Vous faites une photo. Et ainsi de suite. Images. Maintenant, vous allez en observer 2-3 pour voir si vous les avez réussi ou pas. Puis, vous les mettez sur l'ordi et là, je laisse la place à mon coéquipier. Vous savez, j'ai fait plusieurs films en stop motion dans ma vie et je vais vous livrer quelques conseils pour ne pas rater votre film à vous. Et vu comme c'est long à faire, un film en stop motion, vous n'avez pas intérêt à vous louper, sinon ça va être horrible. Premier conseil, la fluidité. Il faut que vos bonhommes soient fluides. Et forcément, si vous faites plus d'images, vous aurez un rendu plus fluide. Et attention, il faut que vos personnages soient très très fluides parce qu'on n'est pas des robots. Deuxième conseil, attention au contre-jour. C'est pour cela que je vous conseille des lampes comme ça en fait. Ça, c'est une lampe. Parce que si vous vous fiez à la lumière du jour, vous allez être embêté. Carrément, vous soyez Météo France, vous ne saurez pas quel jour il fait soleil et quel jour il pleut. Et enfin, dernier conseil, l'expression de vos personnages. Car oui, dans votre film, ce ne sont pas des vrais personnages qui jouent, mais seulement des bonhommes en plastique ou en pâte à modeler. Et c'est pour ça, vu qu'ils ne sont pas réels, il faut bien hésiter à faire soit des personnages très joyeux ou des personnages très tristes, parce qu'après ça donnera des personnages sans âme. Ah, et petite précision, désormais vous venez de prendre toutes les photos de votre super film en stop motion, il ne vous reste plus qu'à les mettre sur un logiciel de montage. Donc moi, mon logiciel de montage s'appelle Vidéopad, mais bien évidemment que vous soyez sur une tablette, un ordinateur ou quoi, les logiciels se ressemblent un petit peu tous. Mais bon, après, c'est normal, vous n'aurez pas absolument le même logiciel au millimètre carré. Donc mon logiciel se compose d'une petite timeline, on appelle ça, c'est une bande, mais nous on va plutôt appeler ça timeline. Mais je pense que le terme bande est plus simple à retenir. Donc dans cette bande, nous allons mettre toutes nos images une par une. Donc bien évidemment, nous mettrons l'image que nous avons photographiée en premier au tout début de la bande. Et la dernière image de votre film à la toute fin de votre bande. Voilà, vous mettez toutes vos images une par une. Et vous mettez peut-être une petite musique ou votre voix que vous aurez enregistrée au préalable. Tout ça sur vos petites bandes. Voilà, c'est pas très compliqué à faire. On n'est pas sur du montage très complexe. Et à la fin, ça vous donne un petit film très sympathique. Je vais vous montrer un petit extrait de ce que j'ai fait. C'est parti.